Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 7 août. Lui par la sœur Irène à Bota NDA. Et le diacre Nestor par la SMO. Commenté par le père Yves Alou SMO. Lecture du livre du prophète Nahum. Chapitre 2. Versets 1 à 3. Chapitre 3. Versets 1 à 3. 6 à 7. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Judas, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie.
écoutez, claquement de fouet, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner un spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée, qui la plaidera, ou donc de trouver des consolateurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répondez après moi le repos du cantique. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et vivre. Pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 16, versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu.
Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus prononce une des injonctions les plus difficiles pour la plupart des hommes. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Après la première annonce de sa passion, Jésus enseigne aux disciples qu'ils vont devoir le suivre dans la souffrance et la mort. Ceci nous donne une idée sur le mystère de la souffrance comme élément essentiel dans la vocation du disciple du Christ. Rares sont des personnes qui se réjouissent de leur propre souffrance. Au contraire, beaucoup se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Souffrir à cause de Jésus est un appel à l'auto-actualisation spirituelle. La souffrance fait partie de la providence de Dieu dans cette vie terrestre pour nous préparer à la vie après la mort. C'est-à-dire, notre vie terrestre est comme un pèlerinage dans le temps vers la vie éternelle. Au cours de ce voyage terrestre, nous apprenons à désirer le paradis par le fait même que nous soyons privés de cela pour l'instant. Nous apprécions la pluie après une longue période de sécheresse, n'est-ce pas? Même nos fautes nous enseignent à valoriser ce qui est bien et correct. Nous apprécions la lumière après avoir marché longtemps dans l'obscurité. Les croix dans la vie d'un chrétien sont des problèmes et des persécutions qu'une personne peut rencontrer dans sa vie, dans son effort de faire ce qui est bien en évitant le mal. Nous pouvons être persécutés ou bien nous pouvons rencontrer des obstacles en voulant exercer dans la droiture la responsabilité qui nous est confiée. Certaines personnes portent des croix dans leur vie, des croix qu'elles-mêmes n'arrivent même pas à comprendre, mais que Dieu seul sait le pourquoi dans sa providence il a permis tout cela. Dans nos difficultés, dans nos souffrances, Jésus nous console. Il est avec nous puisque nous marchons à sa suite. Il ne permettra pas que nos croix nous écrasent, quel que soit leur poids. Frères et sœurs en Christ, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Nos souffrances ici-bas ne sont pas éternelles. Un jour, le Christ reviendra dans sa gloire pour la rétribution finale. Et c'est l'image que nous présente la première lecture d'aujourd'hui. Le prophète Nahum annonce la fin de la puissance assyrienne. Et en même temps, il annonce le lever de l'aurore du salut du peuple d'Israël. Il en sera de même pour chacun de nous qui portons nos croix de chaque jour à la suite du Christ. Que le Seigneur bénisse nos efforts de chaque jour et qu'il nous aide à porter nos croix à sa suite. Le Saint-Esprit. Amen.